très heureuse de vous retrouver au début de cette nouvelle semaine sur nos antennes de Kasson Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la grande édition d'information à la une des actualités. Après l'Ituri, le premier des Warriors, Jean-Michel Samalou Koundé, séjourne à Beni depuis ce lundi 23 août 2021 en vue de s'imprégner personnellement de la situation sur terrain dans cette partie du pays victime de l'insécurité récurrente. Séraphine Lumbu nous fait le point. Reçu en audience par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé, l'évêque de Bounia, Mgr Dieudonné Ouringui, s'est dit satisfait de l'action du gouvernement pendant cette période de l'état de siège. Il a par ailleurs exhorté la population et surtout les groupes armés encore actifs dans cette province à déposer les armes en faveur de la paix. Nous ne pouvons que dire merci au patron du gouvernement, a-t-il ajouté, d'être venu en Ituri, à Bounia, pour consoler et encourager la population. Poursuivant son séjour à l'est de la République, bravant tout le risque et très déterminé à suivre personnellement la situation sécuritaire sur terrain, le chef du gouvernement va procéder à l'évaluation de la mise en œuvre de l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Nord Kivu. Notons par ailleurs que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé, dans le Nord Kivu, était accueilli à sa descente d'avion par les officiers militaires, ceux de la police, le député national et une foule immense de population venue saluer le premier des Warriors dans cette zone dite rouge due à l'insécurité récurrente créée par les forces négatives. Il s'y est de rappeler que cette visite revêt aussi un caractère humanitaire pour la population victime de l'insécurité. Faisant un pas en arrière, le patron du gouvernement, Jean-Michel Samalou Koundé, a foulé le sol de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo, dans la soirée de samedi 21 août 2021, accompagné d'une forte délégation des ministres sectoriels. Cette visite s'inscrit dans le cadre de s'imprégner de l'état des lieux en rapport avec l'état de siège décrété à la dite partie du pays. Séraphine Lumbu nous fait le point. Arrivé samedi 21 août à 19h, heure de Bounia, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a bravé tous les risques pour le suivi des décisions prises consécutivement en rapport avec l'état de siège décrété à l'est de la République démocratique du Congo. Une visite aussi à caractère humanitaire pour la population de Bounia. Accompagné de plusieurs ministres sectoriels, Jean-Michel Samalou Koundé n'a pas manqué de se confier à la presse à sa descente de l'avion. Je suis très content d'être ici en Ituri, effectivement pour une première visite. Visite ordonnancée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui était ici au mois de juin et qui nous a demandé de venir faire le suivi des décisions qui avaient été prises consécutivement à l'état de siège que nous avons ici en Ituri. Ensuite, la deuxième mission, au-delà de l'évaluation, c'est une mission humanitaire. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une situation où il y a des familles qui sont déplacées, qui ne peuvent pas être dans leur lieu habituel de résidence. Et nous voulons leur apporter notre soutien ici et leur témoigner notre solidarité. S'agissant de l'état de siège en Ituri, le patron du gouvernement a évalué les volets humanitaires avec les partenaires impliqués. Dimanche 22 août 2021, le Premier ministre a tenu d'emblée une réunion d'évaluation à Bounia avec les représentants des agences humanitaires œuvrant dans la province de l'Ituri. Nous venons d'avoir une grande opportunité avec certains représentants de la communauté humanitaire de rencontrer Son Excellence le Premier ministre et de lui présenter l'état des lieux de la situation humanitaire, mais également sur les contraintes que les humanitaires rencontrent ici pour travailler, que ce soit en termes d'accès, de sécurité et surtout de ressources. Donc le Premier ministre a bien pris en compte tous nos points et il a effectivement aussi apporté des solutions et des réponses et surtout il nous a encouragés à continuer ce travail. Il s'y est dénoté que cette rencontre à laquelle ont pris part les ministres sectoriels a été une occasion pour les humanitaires de faire part au chef du gouvernement de l'état des lieux de leurs activités
ainsi que des différentes contraintes qu'ils rencontrent dans l'exécution de leur mission au pays. Comme l'a si bien indiqué Gloria Lazik, chef d'antenne Oshoa, en tête de la délégation de partenaires humanitaires. Dès son arrivée à l'Itouri, le caucus des députés nationaux de l'Itouri salue la visite du Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé dans leur province et une délégation de la MONUSCO Bounia était reçue par le chef du gouvernement pendant son séjour en Itouri. Odion Ilunga nous explique la suite. Toujours les mêmes dimanches à Bounia, en Itouri, le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé a présidé une séance de travail avec le caucus des députés nationaux de cette province. En présence du ministre de la Défense nationale, cette séance de travail s'inscrit dans le cadre de sa mission à deux volets, à savoir humanitaire et sécuritaire, sur l'évolution des décisions prises en rapport avec l'état de siège, décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour l'honorable Wilson Adirodou, qui a conduit cette délégation, s'est dit ému de joie de voir un Premier ministre effectuer une descente en Ituri, surtout en cette période cruciale. Selon lui, l'état de siège est lié à des problèmes. Nous voulons d'abord sincèrement remercier la présence du Premier ministre en Ituri. C'est depuis longtemps que nous avons vu le Premier ministre arriver dans la province de l'Ituri. Cette rencontre d'aujourd'hui fait la suite de la rencontre qu'on a tenue avec le Premier ministre le 6 juillet 2021 à Kinshasa, dans l'hôtel du gouvernement, avec l'objet de l'évaluation de l'état de siège. Donc nous avons commencé à évaluer l'état de siège après 60 jours à Kinshasa et nous avons donné aussi de fermes recommandations au gouvernement, dont la descente en Ituri du Premier ministre pour palper des doigts la situation que vit la population de la province de l'Ituri. L'état de siège lit des problèmes. En mission sécuritaire et humanitaire en Ituri, le chef du gouvernement de Warrior, Jean-Michel Samalou-Kondé Kenge, s'est entretenu avec la délégation de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC, MONUSCO. En effet, Kassim Ibamba, chef de section des affaires politiques MONUSCO Bounia, fait la restitution de la rencontre. Nous venons d'avoir une rencontre avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur la situation générale dans la province de l'Ituri. Et nous lui avons fait notre évaluation de la situation sécuritaire et surtout nous avons insisté sur l'accompagnement que nous apportons aux autorités de la République démocratique du Congo en général et aux autorités militaires ici. Par la même occasion, la mission onusienne en cette partie du pays s'est dit prête à accompagner le processus de DRC lancé par le président de la République. Nous avons particulièrement dit notre engagement à accompagner le processus de DRCS que son Excellence le président de la République a mis en place dans le cadre de la réinsertion, démobilisation et réinsertion des groupes armés. Rappelons que c'est depuis le samedi 21 dans la soirée que le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé est arrivé à Bounia à la tête d'une délégation gouvernementale pour une mission humanitaire et sécuritaire dans le cadre de l'état de siège. De l'autre côté, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, a coupé le ruban symbolique pour inaugurer le 8e niveau de l'immeuble qui abrite les affaires étrangères, complètement rénové, et il a également signé avec le DG de l'Institut de Recherche Internationale de l'Agriculture. Reportage de Christian Libingué et Aris Mal. Le Centre international tropical de l'agriculture existe en RDC depuis 2019. Il est implanté à Karambo, à Bukavu, dans le sud Kivu. Spécialisé dans la production et transformation agricole, le centre a été inauguré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son directeur général a signé un accord d'établissement avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Et celui-ci vient s'ajouter à ce centre pour donner la dimension internationale. Ce sera le premier centre international tropical ici chez nous, au Congo. À en croire le directeur général de ces centres, les produits de la recherche de ces centres s'attendront dans différentes provinces du pays.
Sous un autre registre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Pen Apala, a inauguré le week-end dernier son nouveau bureau après réhabilitation, un cadre qui correspond à la noblesse du travail qui s'y effectue. Le VFL a trouvé les installations plus que pitoyables. Aujourd'hui, on nous a donné l'opportunité de ramener, à améliorer cet endroit. C'est un beau bâtiment, comme l'excellence a dit, qui date quand même de 48 ans. En toute responsabilité, chacun des utilisateurs du bâtiment devra penser à l'avenir de ses patrimoines de la République. Le vice-premier ministre l'a rappelé à toute personne présente à cette circonstance. En vue de renforcer les effectifs et la formation, de professionnaliser la sécurité au sein de la police nationale congolaise, tel est l'objectif de la visite d'inspection du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito Wankoi, à l'Académie de la police à Kapol, en sigle à Kimpoko, dans la commune de Maluku. Hortensia Mba nous en dit plus. Renforcer les effectifs et la formation en vue de professionnaliser la sécurité au sein de la police nationale congolaise. Tel est l'objet de la visite d'inspection du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo Okito Wankoi, à l'Académie de la police à Kapol en sigle, à Kimpoko, dans la commune de Maluku. Accompagné de son vice-ministre, du commandant adjoint de la police nationale congolaise en charge d'appui et gestion ainsi que des officiers, le patron de la sécurité nationale est allé palper du doigt l'état d'avancement des travaux de construction de cette académie. Il s'agit d'un projet conçu depuis 2014 par l'Union européenne pour le compte de la police nationale congolaise dans le cadre de la réforme de la PNC. Sur 19 bâtiments prévus, 5 seulement ont été réalisés. Il s'agit des bâtiments administratifs, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments dortoirs du type 1, les centres de santé et les corps de garde. Par rapport à la visite, le numéro 1 de la sécurité n'avait pas manqué de mots. À la suite des réunions que nous avons tenues sous la direction de son Excellence Monsieur le Premier ministre ou sous la direction de son Excellence Monsieur le Président de la République, il nous est revenu de pouvoir nous dire que nous devrions inspecter tous ces sites qui se trouveraient à travers la République pour que nous puissions donner l'information, la vraie, au gouvernement de la République et à son Excellence Monsieur le Président de la République pour que ce qui est nécessaire soit fait et alors le plus rapidement possible pour que la République ait des effectifs qui puissent permettre à notre peuple de se sentir à l'aise, de se sentir effectivement pris en charge par la police nationale congolaise. Ici est de noter que, après avoir effectué la visite de bâtiment, le directeur chef de projet de la PNC a formulé quelques recommandations au patron de la territoriale, notamment l'équipe des bâtiments qui sont presque là vide, ajouter un dortoir, construire clair de parade, une amphithéâtre pour ne citer que celle-là. Et il s'est par ailleurs félicité de l'avancement des travaux de construction de l'Académie de la police, laquelle académie abritera un important nombre de policiers pour une formation adéquate. Parlons à présent de la santé. Le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a échangé dans son cabinet de travail le week-end dernier avec le caucus du sénateur du Grand Équateur sur la situation sanitaire de cette grande partie de la République démocratique du Congo. Suivez Karine Ivili pour plus de détails. Le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a échangé le week-end dernier dans son cabinet de travail avec une délégation du caucus des sénateurs élus du Grand Équateur. Au cours de leurs échanges, le patron de la santé congolaise et ses hôtes de marque ont fait l'état des lieux de la situation sanitaire dans les 5 provinces issues du découpage de l'ex-province de l'Équateur. Le ministre travaille sur base du programme du gouvernement. Il existe une feuille de route, mais il nous a briefé sa vision, non seulement par rapport au programme du gouvernement, mais également par rapport à la feuille de route qui est dévolue au ministère de la Santé. Il a des idées tout à fait précises sur la manière de pouvoir rehausser, redorer l'image du secteur sanitaire congolais.
Et donc, dans l'ensemble, mais également, puisque nous faisons partie de l'ensemble, qui est la RDC, par rapport aux questions spécifiques du Grand Équateur, qui, il faut le dire quand même, se trouve dans une situation assez délicate, assez difficile, quant à la prise en charge de malades, quant à l'état d'équipement de nos formations médicales, quant aux effectifs du personnel médical, personnel soignant. Et donc, c'est encourageant, il a des idées tout à fait précises, il a une feuille de route qui est très intéressante et nous avons apprécié sa détermination et sa vision. Ici est de noter que cette délégation était composée de 9 sénateurs élus de l'Équateur, de la Mongala, de la Tchouapa, ainsi que du Nord et du Sud Ubangi. Un petit résumé de la biographie de cette grande personnalité appelée affectueusement Baba Wakatanga, Gabriel Kyungu Wakumwanza, décédé le samedi 21 août 2021 en Angola. Il est le dernier parmi les 13 parlementaires et cofondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social à nous quitter. Le commentaire avec Tabitha Menayami. Le patriarche Gabriel Kyungu Wakumwanza ne plus, décédé à Luanda, capitale d'Angola, le samedi 21 août 2021, des suites d'une maladie. Âgé de plus de 80 ans, la grande figure de la scène politique Gabriel Kyungu fit parmi les 13 parlementaires et cofondateurs de l'UDPS en 1982. Affectueusement appelé Baba Wakatanga, qui veut dire le père du Katanga, aura bénéficié des ouvrages de sa population d'origine. Proche de Moïse Katumbi et leader d'ensemble pour les changements dans les Haut-Katanga, il est également président du G7. Gabriel Kyungu Wakumwanza, ancien gouverneur du Katanga et proche collaborateur de l'ancien premier ministre Gus Akar Ibond, Kyungu Wakumwanza a été un opposant de première heure au régime du fait président de la Deuxième République. Il va accumuler d'importantes fonctions au sein de sa province d'origine, entre autres l'Assemblée provinciale. Rappelons par ailleurs qu'on lui reconnaît au travers de sa célèbre phrase « Autonomie totale du Katanga, autodétermination de la province qui préfère ». Né le 24 octobre 1938 à Nkoro de Marcel Kabulo Mwenda, son père, et d'Alphonsine Kibawa, sa mère. Il est le leader charismatique de l'Union nationale de fédéralistes congolais, INAFEC en sigle, membre de l'ancienne majorité présidentielle avant de passer ensuite dans le rang des G7, un regroupement des opposants de l'ex-président de la RDC. Le chef spirituel et représentant de l'église kimbanguiste appelé Papa Simon Kimbangu Kiangani a, au cours de son traditionnel message annoncé aux fidèles, officiellement Denis Kadima comme seul candidat de l'église kimbanguiste à la tête de la CENI. Cette adresse du chef spirituel de l'église kimbanguiste est une autre façon pour cette église de réitérer sa confiance et son soutien à son candidat. Propos recueillis. Nakomba Tata Moanapé, Tata Molimo Santo. Deke tuza koloba tango nyonso. Tango yu tozali, ezali tango ya biso bana nzambe. Makamu nyonso wazali kotinda biso, tosali la yango, tine ezali. Epa ito uti, toyebi. Mepa tozo kende, toyebi te. Biso bakimbangiste, Seni a sengak biso kandida, to pesakra Papa Denis Kadima. Biso nyons bakimbangiste to yokanak, to pesaki kombowana Papa Kadima, kandida biso kunana Seni. Pona nini mbala liboso tomona likambwa boye basengi biso, biso pe to sepelaki na yango. On te pèse qui combo na Papa Kadima. Tous allez sûr que mon kilo mobimba bozali kolanda biso na likambo oyo ya seni candidat na biso Papa Kadima pèse qui combo. Oh mon kenza mba pèse biso yangwana to sinisi na kombo tata mwana pe tata mwana santo. Amen.
La main qui donne, c'est la main qui reçoit, dit la Sainte Bible, une portion des écritures que Guy Calé met en pratique en étant proche de sa base. Ce dernier a partagé son premier salaire du mois avec les combattants de la fédération de l'UDPS Tiangou. Guy Calé, le président fédéral de la Tiangou, a procédé ce dimanche 22 août 2021 à l'installation de la section de l'UDPS Maluku Nord. Suivez ces propos recueillis que nous propose notre rédaction. Moutoua s'est découragé. C'est là où. C'est là où Bando Kajanti va profiter. Pour le Bakuna Bozoni, tout ça n'est le côté. Mais dans les bisous, Tozo Bika Kaka, Tozo Lia Kaka, Tama Temela Simanda, Tokolia, mais Souka Souka Baeba, Tokozoa pouvoir Rouana Aoua. Le dimanche et pas ministre et plus président de la République déjà est commis. Ceux qui me manquent la bouche à Kouzouango, eux, Kazan et IDPS, mon témoigné, mon bimba, Awa, pour la soutenir mon Kotamboka, Tokopé Tamaboko. Tobo, il n'est que n'est pas y a un loki gentil, Wana. Bakadia Pemba, Bazola qui ça est longi. Il y a même un jour que Bazabankosi. Toke, Batoke, Banabango. En termes de symbole au président, président, nous avons un drapeau. Signe à pouvoir pour la coexercer. Il y a pour exercer. Nous sommes partout avec ça, il la pousse à 100% partie en 2023. L'attente par mon polo dans Zoto pour désormais ma kilo nous sommes à 4 pour essayer de Fati Beto. Voilà, nous sommes à la vie. Voilà. Voilà. Oyo, tu peux ce symbole. Mais na lingi boye nanga manzo tozana posa to leki boye fati tozongi boye fati donc to kumate la bango na ndenge moko yo tozana posa ka katoyo kasango. Parlons à présent du sport. Willy Mandala est désormais officiellement président de la Renaissance du Congo après les élections organisées par le comité d'organisation le samedi dernier. Obed Luaba au commentaire. 7 ans après sa création, la Renaissance du Congo change son nouveau élan. Le nouveau comité exécutif du club FIBO de la capitale congolaise a été présenté officiellement ce samedi dernier. Il s'agit de Willy Mandala, président, vice-président Babi Balukuna, secrétaire sportif, André Tutonda, secrétaire sportif adjoint Thierry Maïma, trésorier Amouli Abraham. Notons que Willy Mandala succède désormais l'évêque Pascal Mokuna à cette formation sportive de la capitale congolaise. Toujours dans ce même chapitre avec le sport, la commission de la Ligue nationale de football a annoncé un premier report de la première journée du championnat qui devrait faire affronter l'Union sportive Chinkunku de Kananga et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi le 8 septembre prochain. Rachel Tiabou nous explique la suite. Le secrétariat de la Ligue nationale du football a publié vendredi dernier le calendrier de la phase aller de la Division 1. 190 matchs seront disputés sur tous les terrains du pays, de Kinshasa à Bukavu, en passant par Likasi, Kananga, notamment Lubumbashi et Kindu. Ainsi, pour la saison 2021-2022, la Ligue Foot a décidé de passer des 16 à 20 clubs en première division. C'est 4 clubs de plus que la dernière saison où seules 16 équipes prenaient part au niveau d'élite du football congolais. Attendu en Ligue Foot, deuxième détail, la JSK Bazano, 14e, le Racing Club de Kinshasa, sa 15e et Lubumbashi Sport 16e ont été maintenus dans l'élite par la Ligue Foot. Signalons que le nouveau venu se nomme Académie Club Kouya de la ville de Kinshasa, vainqueur de la zone centre-sud et l'Union sportive Chinkunku de Kananga, ainsi que l'étoile de Kivu de Bukavu, vainqueur de la zone est. Rappelons par ailleurs qu'un report au début de la Ligue 1 entre l'Union sportive Chinkunku et le TP Mazembe du 8 septembre à Kananga ont été suspendus momentanément.
De ces faits, conformément aux règlements généraux sportifs de la République démocratique du Congo, il est impossible que le TP Mazembe joue avec l'Union sportive Chinkunku car ce match a été programmé pendant les journées FIFA, a analysé Erute Yundula. Mesdames, Messieurs, passons à la deuxième partie de cette grande édition, la revue des presses. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est l'heure du journal de la revue de presse. Débutons cette deuxième partie dans la ronde des journaux. Commence avec Alexandra Ntsona. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Kaïbe. Comment t'y portes-tu? Bien, merci. À la une des séjours, Katumbi Sekou, la maison Union Sacrée, en attendant la rupture, compte de Congo News. Ainsi nous précisent les confrères Mikaël Bilonda, entre Félix-Antoine Tshisekedi et Moïse Katumbi Tshapoué, c'est le carpe diem. Pour les raisons des convenances politiques, les deux hommes s'abritent actuellement sous le même toit, Union Sacrée dit la Nation. Mais à part la présence des ministres venus d'ensemble pour les changements de Katumbi, rien vraiment ne les démontre assez clair. Encore moins la dernière interview de Katumbi sur Jeune Afrique, au cours de laquelle l'homme a eu du mal à casser son mal-être au sein de la coalition gouvernementale aussi hétérocyclique qu'instable. C'est le compte tenu de Congo Nouveau. La prospérité précise qu'après Bounia cap aujourd'hui sur Samalou Koundé en mission humanitaire et sécuritaire à l'est du pays. Alexandra. Tout à fait, Mikaël Bilonda. L'accent est mis sur l'évaluation de la situation et humanitaire dans la province des Nord Kivu et de l'Ituri, placée sous l'état des sièges présidentiels. Accompagné d'une forte délégation dont la composition est colorée des quelques membres du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a entamé son périple par Bounia en Ituri, où il a été accueilli avec triomphe dès sa descente d'avion à l'aéroport Morongo par la population de ces coins de la République samedi 21 août 2021, tel que nous signale la prospérité. Le chef spirituel de l'église Kimbanguiste Simon Kimbangu proclame Urbi et Orbi la décision de Kamba et confirme avoir choisi Kadima, nous dit Africa News. Alors que le bras de fer entre l'église se poursuivent, le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani a levé les doutes dimanche et proclamé Urbi et Orbi que Denis Kadima Kazedi a été bel et bien choisi par l'église Kimbanguiste pour être son candidat à la présidence de la commission électorale nationale indépendante CENI. Simon Kimbangu Kiangani l'a dit lors d'une prédication devant les fidèles kimbanguistes à Kamba, nous dit Africa News. Merci beaucoup Alexandra Nzona. Merci Mikaël Bilonda. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que prend fin cette grande édition de Yokasson Télévision. Portez-vous bien et restez branchés sur nos antennes de Yokasson Télévision. On se revoit demain à la même heure.